Donc là, on est sur la drague Grande Mulette qui est basée à Rochefort et qui a été construite par le département spécifiquement pour ce chantier de dévasement. Elle a été en fait dimensionnée pour permettre son convoyage de Rochefort vers le site de dragage et notamment via le système d'abaissement de timonerie qui permet de passer sous les ponts présents sur le fleuve. On a aussi adapté sa largeur pour pouvoir franchir l'écluse du barrage de Saint-Savinien. Elle est aussi équipée d'une pompe Genflo et d'un système de recirculation qui permet en fait d'augmenter le rendement de dragage. La drague Grande Mulette mesure environ 50 mètres, élindes comprises, pour un poids d'environ 180 tonnes. Et elle est équipée en fait de deux moteurs, un qui permet d'entraîner tout le système de pompe de dragage et d'hydraulique du bord, et un second moteur qui permet l'approvisionnement en électricité du bord. On est forcément trois à bord, c'est une règle obligatoire. On est surtout vigilant pour le bon déroulement du travail, c'est tout ce qui est météo. Ici, sur ce chantier précis, tout ce qui est débit, les crues, comme on peut le voir en ce moment, qui nous empêchent là de travailler en dragage pur, ce qui nous a permis de faire aussi autre chose, l'avancement sur la tuyauterie pour gagner du temps pour l'avenir. Et tout ce qui est sécurité, donc contrôle du matériel quotidien. Donc la drague, quand elle s'installe pour se mettre en positionnement de dragage, elle va avoir trois points d'appui, d'accroche. Elle a deux pieux qui sont situés à l'arrière, qui sont donc propulsés vers le fond et qui vont s'enfoncer dans le sol. À l'avant, elle a ce qu'on appelle le patin qui lui vient se poser sur le toit de vase. Et ensuite, on a ce qu'on appelle donc l'élinde papillonnante qui, elle, par des mouvements de bâbord à tribord, va balayer l'ensemble de la surface de berge à berge. Nous, on est à bord de la Grande Mulette, au poste de pilotage. Donc c'est ici qu'on commande le bras de devant, hein, et bah, toute la drague en elle-même. À ma droite, vous avez un joystick. On travaille qu'avec des joysticks et des petits boutons. Demande d'autorisation qui se trouve en dessous. Et on va pivoter sur le tribord, donc à droite. Et là, le bras devant, qui se trouve en haut. Vous voyez que le bras se trouve ici. On va aller sur tribord, donc on va aller manger sur tribord, la côte voulue, qui est 3,50 m. Et là, vous voyez, ici, vous avez des échelles de couleurs qui se trouvent rouge, qui est chargé en vase, et on va descendre jusqu'au violet, qui est à 3,50 m. Donc là, vous voyez, ici, on est passé, on a mangé déjà 3,50 m, jusque ben là, où se trouve la drague actuellement. Et après, on revient, la poignée, on la remet sur notre bâbord, et on mange petit à petit. Une fois qu'on a fini de faire les passes à tribord et à bâbord, on relève le patin, hein, qu'on remet en suspens, et on avance avec les joysticks, on appuie sur les boutons pour faire avancer la drague. On a des pieux derrière qui vont s'incliner, et on va avancer de 50 cm. Et on repose le patin, et on va remanger à tribord et à bâbord. Sur une journée, on avance de 25 mètres à peu près. C'est la longueur de la drague. Et on enlève donc sur 25 mètres, sur 3,50 mètres de hauteur, sur 36 mètres. Donc voilà, donc là on se trouve devant le cutter qui est au bout de l'épée plongeante. Donc c'est un cutter qui donc ça broie la vase. Donc on peut le faire tourner dans un sens ou dans l'autre, hein, à la vitesse qu'on veut aussi évidemment. Parce que plus la matière est dure, donc moins on va aller vite. Et donc ça broie tout. Il y a un système de barottage derrière qui empêche de prendre de trop gros morceaux pour ne pas boucher. Et dessous, vous avez une bouche d'aspiration parce que le cutter donc broie la vase. Il y a un système d'aspiration qui passe dans l'épée, qui va jusque dans la pompe qui se trouve à bord de la machine. Ensuite, il y a un système de refoulement par où est acheminée la matière qui est reconduite après, qui est acheminée sur des bacs de décantation à terre.
Donc là, on est en train de draguer et en même temps, on fait des analyses pour contrôler qu'on ne perturbe pas le milieu. Et ces analyses-là, on les reporte sur le papier et on les contrôle. Parce que si la turbidité dépasse entre le point A de sondage et le point B 100, on est obligé d'arrêter le dragage pour ne pas perturber justement le milieu et renvoyer des sédiments qu'on ne va pas avoir attrapés et qui vont continuer à partir, à dériver. Donc en fait, on fait le sondage deux fois par jour, avant le dragage et pendant le dragage, à trois endroits différents, c'est-à-dire 300 mètres derrière la drague, au niveau de la drague et 100 mètres devant la drague. On fait ces analyses pour connaître la turbidité de l'eau, la température, le pH, tous ces éléments qui nous permettent de savoir quelle est la qualité de l'eau que nous avons laissé repartir devant la machine. Donc on plonge une sonde dans l'eau et on a une connexion en Bluetooth sur le téléphone avec une application qui nous permet de relever tous ces éléments qui nous sont indispensables.